Ich bin Anne-Lise. Ich heiße Elise. Ich bin Lou. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la section euro-allemand puisque nous sommes toutes les quatre en classe de première. Nous travaillons l'histoire géo en allemand. En ce qui concerne le programme, c'est très intéressant parce qu'en fait, on a deux points de vue quand on fait de l'histoire, notamment quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on va beaucoup s'intéresser au point de vue des Allemands. Ça permet de nous enrichir beaucoup. De plus, en seconde, on a la possibilité, grâce à la classe euro-allemand, de faire un échange, c'est-à-dire que c'est un échange franco-allemand, donc nous avons des correspondants et nous partons en Allemagne et nous découvrons une autre culture. Nous avons aussi la possibilité de faire des stages pour enrichir notre culture et notre bien parler en allemand. C'est très convivial, en fait, il y a un très petit effectif et on est très peu et c'est vraiment très convivial et on ose bien prendre la parole puisque nous sommes très peu dans la classe. En plus, ça nous permet d'apprendre beaucoup plus de vocabulaire que ce qu'on pourrait apprendre si on avait juste 2 heures d'allemand par semaine. Ça permet d'avoir aussi 2 heures d'allemand en plus, ce qui nous permet de beaucoup mieux nous préparer pour le bac d'être plus préparé. Aussi, quelque chose à noter d'important, c'est que la classe euro-allemand, c'est noté sur Parcoursup. Faire une classe euro-allemand, ça peut nous permettre de faire un double cursus et donc d'avoir un diplôme reconnu en France et en Allemagne.